matin à toutes et tous, on se retrouve eh bien, pour cette guidance, le message, comme vous le désirez, de ce mercredi 10, voilà, ce mercredi 10 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, je me libère totalement de tout jugement, colère, culpabilité et totalement du passé. Aujourd'hui, j'ai pigé écoute du corps. Alors, vous le savez comme moi, votre corps est le messager de votre âme. Quand vous vous êtes réincarné, vous vous êtes réincarné dans ce corps pour qu'il vous véhicule tout au long de cette vie terrestre. Et comme eh bien, votre corps est le messager de votre âme, eh bien, il vous parle chaque jour. Mais pour certains d'entre vous, est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous vous appuyez sur vos sensations pour prendre vos décisions? Vous savez, votre corps communique à travers eh bien, ces 5 canaux de perception, c'est-à-dire le visuel qui représente l'image, n'est-ce pas? L'auditif, bien qui représente le son. Kinesthésique, sensation. Gustatif, c'est le goût, le palais. Et l'olfactif, l'odeur. Si vous voyez pour la première fois, eh bien, une personne et que vous ne la sentez pas, eh bien, c'est un message. Mais oui, bien sûr. Il y a quelque chose peut-être vis-à-vis de cette personne qui vous met mal à l'aise. Pourquoi? Posez-vous cette question. Est-ce que vous avez une résonance avec cela? Si vous commencez à être excédé et que votre travail vous pèse, eh bien c'est un autre message. Si vous avez régulièrement des images, par exemple d'une forêt près de chez vous, C'est aussi un message à suivre. Est-ce que vous osez vous amuser avec votre corps en suivant ces messages? Tout a une signification, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vous invite à faire plusieurs pauses. Puis, posez-vous la question, mon corps, de quoi as-tu besoin maintenant, présentement, qu'as-tu besoin? Et attendez un peu dans le silence et laissez venir une réponse. Alors, a-t-il soif, votre corps? Est-ce que votre corps a-t-il besoin de mouvement, peut-être d'étirement ou de repos? Faites-vous confiance et amusez-vous à recevoir une réponse. Et choisissez la simplicité et passez à l'action. Écoute du corps. Vous savez, je le dis souvent hein, dans les capsules, votre santé physique dépend de votre santé mentale. Il faut écouter son corps. Votre corps, il met des alarmes, il vous met des alarmes. Cela veut dire que vous devez travailler psychologiquement, mentalement sur certaines choses. Par exemple, si vous êtes dans
dans une demande émotionnelle, dans une attente, eh bien, à la longue, votre corps, il va vous avertir qu'il faut arrêter d'être dans cette attente, dans tout ce qui est cet émotionnel, parce que on peut travailler là-dessus pour ne pas que vous soyez une éponge et prendre tout sur vous, sur les épaules. On ne vous demande pas de ne pas avoir de cœur, c'est pas ça, hein. C'est juste avoir de la compassion et mettre une certaine distance par rapport aux émotions. C'est un travail journalier, mais on est ici pour faire ce travail journalier, n'est-ce pas? Pour être une meilleure personne de ce qu'on est. Et aujourd'hui, le mantra, c'est « Je peux écouter mon corps. Je peux écouter mon corps. Je peux écouter mon corps. Écoutez votre corps. Il vous donne, votre corps, le signal que ça ne va pas. » C'est un très très beau message. Voilà, je termine avec l'oracle des amoureux. Et voilà, aujourd'hui, bon, eh bien, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, ferme les yeux. Et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Comme tout à chacun, nous méritons d'être joyeux. Très beau message de l'oracle des amoureux. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle guidance, pour un nouveau message. D'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse tout fort. À demain.